Bien bonjour. Alors effectivement, on va commencer cette session. On va beaucoup parler d'énergie. Alors on ne parle pas d'énergie qu'au Havre en ce moment, puisque vous le savez probablement, d'ici une demi-heure à peu près, le président de la République, lui, va ouvrir une conférence environnementale à Paris, qui va aussi parler beaucoup d'énergie, hein, en fait, qui va parler de deux sujets essentiels que sont la transition énergétique et la préservation de la biodiversité, et qui devrait, donc c'est évidemment très franco-français, mais qui devrait déboucher dès l'an prochain sur de nouvelles lois, puisque vous savez qu'en matière de biodiversité législative, la France est championne du monde. Alors, la transition énergétique, c'est un peu le métier, justement, de notre invité. Alors, Alain Bucaille, bonjour. Vous êtes un scientifique, polytechnicien, corps des mines. Vous êtes professeur à HEC et à l'Imperial College de Londres. Vous avez dirigé la recherche de grands groupes comme Lafarge et Areva. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes conseiller auprès du président du directoire. Vous êtes un spécialiste de la prospective énergétique. C'est d'ailleurs ça que vous enseignez. Et donc de cette fameuse transition dont tout le monde parle aujourd'hui. Alors, à ce sujet, le journal Les Échos publiait hier un sondage qui a dû vous faire plaisir, puisqu'il indiquait qu'une majorité de Français était d'accord avec notre ministre du redressement productif pour estimer que le nucléaire était une énergie d'avenir. C'est presque un exploit, tout de même, dans un pays occidental, un an et demi après l'accident de Fukushima, et alors qu'on vient d'annoncer que le Japon se donnait 30 ans pour sortir du nucléaire. Alors, Alain Bucaille, est-ce que c'est suffisant pour justifier la présence d'une société comme Areva au sein d'un forum consacré à l'économie positive? Alors, il y a sûrement des écologistes dans cette salle, ou tout simplement des sceptiques. Comment les convaincre que le nucléaire est vraiment une énergie positive? Je crois tout d'abord qu'il ne faut pas simplement parler de nucléaire, mais parler de la planète, ainsi qu'on l'a fait ce matin de manière excellente. Je me suis d'ailleurs reconnu dans tous les exposés qui avaient été faits. Si nous étions 3 milliards en 1960, 6 milliards en 2000, 7 milliards en 2010, 8 milliards et demi ou 9 milliards d'ici 2050, et si 4 milliards d'individus sont branchés sur la télévision et croient qu'ils peuvent vivre demain comme on vit à Santa Barbara, il est clair qu'on a un problème si la planète en reste à 70 ou 75% d'énergie fossile. Comme le dit l'Agence internationale de l'énergie, que la croissance de la consommation d'énergie est pratiquement parallèle à la croissance économique, éventuellement décalée d'un pour cent, mais à 0,2 puissance 40, ça fait 2,5. Et si vous avez 2,5 augmentation de la demande d'énergie et qu'on continue avec les mix énergétiques d'aujourd'hui, bah évidemment, la croissance économique n'est pas soutenable du point de vue de la planète, quelles que soient les discussions qu'il y a sur la part de l'homme dans les dérèglements climatiques. Et c'est pas simplement lié aux questions de climat, c'est aussi lié aux questions d'eau, de disponibilité de terres agricoles et à la quantité de gens qui peuvent soit être inondés, soit au contraire privés d'eau. On n'a jamais vu les gens pouvoir s'en sortir en termes de développement personnel s'ils n'ont pas ni accès à l'électricité ni accès à l'eau. Donc je crois que c'est assez simple. Il y a une transition énergétique importante à faire et elle concerne toutes les énergies qui sont susceptibles de ne pas émettre de carbone. Alors il y a la captation, séquestration du carbone dans les énergies fossiles, il y a les énergies renouvelables, il y a l'évolution dans les réseaux et il y a, en fonction des attitudes, plus ou moins d'énergie nucléaire en fonction des pays. Oui, mais alors, le tsunami de Fukushima est passé par là, dans un pays moderne et expert du nucléaire, qui était le Japon. Est-ce que ça ne suffit pas, finalement, à disqualifier cette technologie? Bon, avant de rentrer sur le jugement même des technologies,
et je vais bien sûr répondre directement à votre question, j'observe d'abord que la Chine, l'Inde, la Russie, la Corée du Sud ont maintenu exactement leur choix en matière nucléaire, leur stratégie nucléaire, et donc de ce point de vue-là, il y a déjà 3 milliards d'individus qui sont concernés par ces sociétés qui ont maintenu leurs options après Fukushima. Bon, deuxième chose, la lecture de Fukushima a été réellement partagée au niveau international. Il y a eu une gravité suffisante de l'accident pour que l'ensemble des autorités de sûreté du monde regarde réellement tout ce qui s'était passé avec toute l'information qui était accessible. Et donc, ça y a eu, contrairement à ce qui s'était passé à Tchernobyl, une analyse extrêmement fine de ce qui s'était passé à Fukushima. Alors, que peut-on en dire sans verser trop dans la technique? Premièrement, les Japonais ont commis une lourde erreur en ne prévoyant pas la vague qui est arrivée. Ils avaient dimensionné une digue pour 10 mètres de haut, alors que la vague a été très supérieure, et que bien des indications des géologues auraient dû les amener à être prudents sur cette question. Deuxièmement, il n'y avait pas de recombineur d'hydrogène, contrairement à ce qui se passe dans un certain nombre de pays, dont la France, mais pas la seule, et que donc l'accident réel est dû à des explosions d'hydrogène. Donc la technologie qui aurait pu prévenir l'accident de Fukushima existait déjà, elle n'a pas été mise en œuvre au Japon, et on peut s'interroger sur le rôle international des autorités de sûreté, et sur le fait que si elles s'évaluaient un peu plus les unes des autres, cette question aurait évidemment été soulevée. Alors, troisième chose, on sait très bien qu'à Fukushima, les gens ont fait une erreur après l'accident, c'est qu'ils n'étaient absolument pas préparés à ce qu'il y ait à la fois pas d'eau et pas d'électricité sur le site et pendant quelques jours. Aujourd'hui, les centrales nucléaires modernes sont gérées de telle sorte que même s'il n'y a plus d'eau ou d'électricité pendant 24 heures, on n'a aucun problème d'accident. Et donc, ce que met en lumière l'accident de Fukushima, c'est qu'on est obligé de réfléchir à des moyens d'action qui font qu'au-delà de ces 24 heures, quoi qu'il arrive, quelque côté imprévisible qu'il y ait, on soit capable de subvenir au risque d'accident. Donc, ce qu'a mis en évidence Fukushima, si on est positif sur les choses, c'est le fait que, quels que soient les pays, il faut savoir pallier à une absence d'électricité ou d'eau qui se trouve sur le site pour des raisons inconnues et qui est à prévenir. Alors, c'est ce qu'a fait le plan français à l'instigation de l'autorité de sûreté nucléaire en France, c'est ce qu'ont fait d'autres pays, pas tous, donc de ce point de vue-là, il y a encore des progrès à faire. Alors bien entendu, vous avez des pays comme l'Angleterre, et moi je travaille en Angleterre, comme vous l'avez dit, écoutez, ce sujet est un non-sujet, parce que nous ne risquons pas d'avoir de tsunami plus tremblement de terre sur les côtes anglaises, donc par conséquent, l'Angleterre n'est pas concernée par Fukushima. Vous avez des réactions à Fukushima qui sont extrêmement variables de pays à pays, et le nucléaire, si on regarde les choses objectivement, presque comme professeur, dans certains pays, il est recherché, dans certains pays, il est toléré, dans certains pays, il est contesté, et dans certains pays, il est refusé. Donc vous avez une variété de situations dans le monde par rapport au nucléaire au jour d'aujourd'hui, mais ça n'empêche pas qu'il y a 35 ou 40 centrales en projet à l'heure actuelle, donc on ne peut pas dire que le nucléaire est arrêté à cause de Fukushima. Bon, alors on reviendra au problème de l'opinion, mais comme vous le disiez, ce qu'a montré Fukushima, c'est qu'à la différence d'une centrale thermique classique, où on peut, si on ferme le robinet ou si on éteint le bouton, tout s'arrête et on peut mettre l'installation sous cloche. C'est pas le cas dans le nucléaire, c'est-à-dire qu'une centrale nucléaire, si on l'arrête, eh ben, il faut toujours en fait avoir de l'électricité ou de l'eau. Alors, est-ce que un jour on peut imaginer, enfin, est-ce que ça ne serait pas une solution, enfin, un système de centrale qu'on pourrait arrêter d'un seul coup en cas d'incident? Et laisser en l'état sans qu'il y ait besoin d'énergie, d'eau, et choses comme ça, qui évidemment ont été un peu la cause des problèmes de Fukushima. La réponse à votre question est double. Pour l'électricité, oui, on pourrait s'en passer. Pour l'eau, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la puissance résiduelle dans une centrale nucléaire qui n'est pas très importante. C'est à peine le centième de la puissance qu'il y avait avant l'arrêt. Mais cette puissance, il faut l'éliminer. Le seul moyen qu'on connaisse, quel que soit le système, c'est d'amener de l'eau pour refroidir. Et donc, il faut toujours pouvoir avoir de la disponibilité d'eau. Alors, ce qu'on peut regretter à Fukushima, mais c'est très facile et même pas très intellectuellement correct de raisonner comme ça, c'est que effectivement, les Japonais, dans les 12 premières heures de l'incident, auraient dû se dire on ne peut pas, on n'est pas sûr de pouvoir rétablir l'électricité dans les 2 ou 3 jours, et il faut à tout prix trouver le moyen d'amener de l'eau à l'intérieur de la centrale. Mais dans la panique qui suivait le tsunami dans les 12 premières heures,
c'était évidemment faire preuve d'une extrême réactivité que de penser comme ça. Par contre, ce qui s'est passé depuis, parce qu'il y a quand même des leçons positives et leçons positives à tirer de l'accident, c'est que la réflexion porte effectivement sur non seulement mettre des moyens beaucoup plus protégés par rapport à un quelconque accident, par rapport à un quelconque, même imprévisible, et deuxièmement, d'être en plus capable d'amener de l'eau dans les 24 heures, quel que soit le site. C'est ce que le plan d'action qui a été approuvé, présenté au public au début janvier en France prévoit. Donc je pense que de ce côté-là, les leçons de Fukushima ont été tirées. Après, libre à chacun de dire que ces fous du nucléaire sont toujours incapables de prévoir un accident, quel qu'il soit. Mais en ce qui concerne les leçons de Fukushima, je peux dire qu'elles ont été vraiment tirées au niveau international. Alors, ces fous du nucléaire, ils ont aussi un autre petit problème que les écologistes mettent en avant, c'est le problème des déchets. Alors, Areva est le premier opérateur mondial de traitement des déchets nucléaires. Est-ce qu'un jour, on trouvera une solution définitive à ce problème ? Oui, derrière les déchets, en fait, on a aussi deux choses. Je m'excuse d'être non pas technique, mais d'être un tout petit peu analytique. Vous avez d'abord le retraitement, le recyclage, et puis ensuite, vous avez la gestion finale des déchets ultimes. Alors, j'entendais tout à l'heure M. Etienne dire qu'on était des mauvais recycleurs dans la planète. Bon, dans le nucléaire, pour 3% du prix, on s'est recyclé 25% de la matière, et pour 5%, on s'est recyclé une deuxième fois. Alors, je veux dire que du point de vue du recyclage, je ne connais pas beaucoup de secteurs économiques où on puisse afficher de tels ratios. Alors, ça a beaucoup de conséquences sur la disponibilité de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 500 réacteurs dans le monde, jusqu'à 1800, 2000 réacteurs, il n'y a aucun problème de ressources pour les 150 ans qui viennent. Et derrière ça, bien sûr, le thorium, en mélange avec l'uranium, peut permettre d'étendre encore d'un facteur 3. Donc, il n'y a aucun problème de ressources sur le nucléaire. Ce n'est pas le cas de toutes les énergies de base. Deuxième chose, c'est le problème de final des déchets. Alors, si les déchets, il se trouve que j'ai dû travailler beaucoup sur cette question, y compris pour la loi française votée en 2006, et que je suis un peu considéré comme un peu un expert sur le sujet, donc je vais vous faire part de mon expertise en termes simples. Si vous voulez régler le problème pour les 1000 ans qui viennent, vous mettez les déchets nucléaires dans des containers vitrifiés, vous les mettez à 50 mètres sous le sol, il ne se passera rien, il n'y a pas un becquerel qui sera sorti des déchets, et pour les 1000 ans qui viennent, vous aurez parfaitement résolu le problème des déchets. Ça ne prendra pas beaucoup de place pour tout le parc nucléaire français, c'est 1 km² sur le site de La Hague, aucun problème de disponibilité de site, et pour les 1000 ans qui viennent, vous n'avez aucun souci. Si vous voulez régler ce problème pour l'éternité, ce qui n'est pas vraiment un sujet fréquent dans l'histoire des activités économiques, à ce moment-là, vous avez effectivement la solution du stockage géologique où la qualité des argiles ou du sel, ça dépend des endroits, voire du granit pour les pays finlandais, sont telles qu'on sait faire des études qui montrent que pendant 100 ou 200 000 ans, la radioactivité ne parcourra pas 10, 20 mètres ou 30 à 500 mètres ou 600 mètres sous le sol. Alors après vient le débat métaphysique, à savoir des millions d'années, est-ce qu'on fait confiance aux scientifiques dans leurs simulations ou pas ? Et ce n'est pas du tout un débat scientifique, c'est un débat métaphysique, consiste à dire, est-ce qu'on considère que les calculs peuvent être bons ou que les calculs ne peuvent être pas bons ? À cette réponse, la question ne peut être que politique. La réponse à cette question ne peut pas être technique, parce que, évidemment, vous pouvez dire que toutes les études, si vous dites par exemple un gisement, vous mettez du gaz dans un stockage, dans un endroit où il y avait un gisement de gaz. Ben, vous êtes assez convaincant pour dire que si le gaz a tenu pendant des millions d'années, vous le remplacez par un autre gaz, ça va aussi tenir des millions d'années. Donc là, vous avez le bon sens qui vous dit. L'autre, c'est les calculs. Alors, tous les calculs montrent que la fuite de radioactivité serait epsilon à des millions d'années, mais vous pouvez être plus ou moins convaincu, non pas parce que vous dites que les calculs sont bons ou faux, mais parce que vous doutez de la pertinence même des calculs. Donc, c'est un problème de position devant l'éternité, et je comprends très bien qu'on ait un point de vue de ceci ou de cela par rapport au stockage géologique. Parce qu'il reste qu'aujourd'hui, en France, par exemple, il n'y a pas encore d'installation de stockage définitif des déchets les plus dangereux, ils sont toujours dans des piscines ou... Non, les déchets les plus dangereux sont dans des verres qui sont complètement compacts et solides, qui se trouvent à La Hague. Vous pouvez passer une journée, une semaine à côté, il ne se passera rien. C'est pas très loin d'ici. C'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, mais enfin, vous pouvez aller sur le site. Donc, du point de vue du danger, là, ces déchets posent aucun problème de danger. On peut, sans connaître le sujet, craindre quelque chose, mais sur le fond, il n'y a aucun danger. Après, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait au-delà de 1000, 2000 ans. Et là, je vous dis, il y a deux solutions, l'entreposage en subsurface et le stockage géologique. Pour des raisons liées au terrorisme,
pour des raisons liées au terrorisme. La France, il y a quelques années, est-ce qu'elle maintiendra ce choix, c'est autre chose, a plutôt opté pour le stockage géologique réversible, c'est-à-dire un stockage géologique dont on déciderait à un moment donné s'il devrait être réversible ou irréversible, avec cent ans ou 200 ans d'expérience. Voilà ce qui est la position française sur le sujet. Avec l'espoir qu'un jour, on pourra peut-être recycler ces... Bien entendu que cet espoir existe. De toute façon, vous savez, aujourd'hui, l'énergie nucléaire, c'est pas brillant en termes d'efficacité. Ça utilise 1 ou 2% de l'énergie contenue dans l'atome. Donc, il en reste 98% qui sont aujourd'hui non utilisés. Et il y a des technologies un peu plus coûteuses, c'est toujours la même histoire, qui permettraient de beaucoup plus utiliser la matière disponible. Et il faut y travailler. Et on sous-estime parfois, mais je comprends les raisons, que en fait la Chine est très en pointe sur ces sujets et que le leadership sur le nucléaire sera partagé entre la Chine et d'autres pays, mais que le leadership sur le nucléaire dans les 30 ou 40 prochaines années sera en fait assuré en liaison avec les évolutions de la stratégie chinoise. Alors, on parlait tout à l'heure de... l'évolution de l'opinion, hein, on constate qu'elle reste extrêmement sensible, y compris d'ailleurs en France, où elle est pourtant, je le disais tout à l'heure, encore majoritairement plutôt pro-nucléaire. C'est pas du tout le cas dans beaucoup de pays. Donc, on a vu au Japon, en Allemagne plus récemment. Il y a des raisons objectives type Fukushima, il y en a d'autres plus compliquées à décrypter. C'est vrai que le charbon fait beaucoup plus de victimes que le nucléaire, mais c'est diffus, donc on en parle moins. Alors, est-ce qu'on peut combattre la peur de l'atome, ce qui est un peu la peur de la mort invisible ? Oui, enfin, je veux dire, toute énergie a ses inconvénients et ses avantages. Les Français sont... heureusement, très favorable au développement des énergies renouvelables. Et si vous me posez des questions sur le nucléaire, je dois vous dire que je suis un chaud partisan et depuis longtemps des énergies renouvelables. C'est même moi qui ai proposé au gouvernement qu'on fasse le dossier d'acquisition de Bodus, le leader allemand de l'éolien onshore, il y a 10 ans. Donc je ne peux pas être accusé sur ce plan personnel d'opportunisme politique. Et j'essaye de jouer de tout mon rôle pour le développement du solaire et le développement de l'éolien offshore à l'intérieur d'Areva. Donc, pas de doute sur les énergies renouvelables. Il faut les développer. Le monde en a besoin. Ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Non, mais l'opinion publique, il faut parler de l'opinion publique. Alors ensuite, vous avez deux problèmes hein, qui sont les attitudes vis-à-vis de la sûreté. Les Français ont plutôt confiance dans leur autorité de sûreté. Laquelle est quand même considérée comme une des meilleures du monde, donc jusqu'à présent elle n'a pas montré de défaut. Et après, il y a un débat, peut-on plus ou moins se passer de nucléaire, peut-on en avoir plus ou moins, et deux, quel est l'impact de tout ça sur les prix des fossiles, les prix du gaz, les importations de gaz, parce que les renouvelables gardent quand même une faiblesse, c'est qu'elles sont intermittentes. Et donc, il ne fait pas soleil la nuit. Il y a 70% de l'électricité qui doit marcher 24 heures sur 24. On ne sait pas pour l'instant stocker l'électricité. On ne sait pas stocker. Et c'est le sujet technologique vraiment important à faire progresser dans les années qui viennent. Comment stocker l'énergie? Et donc, il y a des problèmes de transition énergétique à gérer, mais dans lesquels la question du stockage est fondamentale. Après, vous avez la question plus géopolitique, sur lesquels les gens ont des sentiments, et je me garderai de vouloir les résumer à moi tout seul, mais ils ont tous des sentiments sur la Russie, le Moyen-Orient, etc. Et chacun peut avoir son analyse, et c'est au pouvoir politique, en définitive, de trancher. Mais ce qui effraie l'opinion publique sur le nucléaire, ce n'est pas des considérations géopolitiques, c'est des considérations beaucoup plus pratiques. C'est pas de ça chez moi, ça risque de contaminer toute ma région. Enfin, c'est ce genre de considérations, beaucoup plus terre à terre. C'est pas vraiment. Oui, vous savez, sur l'opinion publique, au-delà de tel ou tel sondage, il y a en France 30% de gens très favorables au nucléaire, il y a 20% de gens très opposants au nucléaire, et puis il y a 50% de gens qui sont hésitants. Alors vous avez les hésitants plutôt favorables, les hésitants plutôt négatifs, ça varie un peu suivant les saisons, mais fondamentalement c'est ça la photographie de la société française. Mais ça c'est presque une exception dans le monde.
C'est une. Vous savez, dans le monde, il faut faire attention. Toutes les opinions publiques sont respectables et la démocratie doit s'exercer partout, ou le plus possible. Donc, moi, je respecte tout à fait les décisions de chaque État. Si l'Arabie Saoudite veut faire beaucoup plus de nucléaire demain, je ne vois pas à quel titre je vais venir lui contester le fait d'en faire. Si le Japon dit, après Fukushima, je veux arrêter sous 30 ans, il a tout à fait le droit de le faire, etc. Enfin, il faut arrêter de vouloir avoir un point de vue universel qui s'impose à tout le monde. Après, vous avez une autre question qui est quand même plus délicate, mais qui n'est pas tranchée par les milieux économiques et qui n'est pas plus abordé par les institutions, qu'est-ce qu'on peut faire de réaliste pour relever le défi climatique mondial? Or, tous les experts vous disent qu'il n'y aura pas plus de 15% de captation-séquestration du carbone possible sur la planète, quelles que soient les évolutions de la consommation. Et après, vous avez un problème, c'est que comment vous faites et avec quoi vous faites pour avoir un mix entre énergie fossile avec captation-séquestration du carbone, énergie renouvelable et éventuellement nucléaire. Sinon, c'est en fait la lutte contre l'effet de serre et le changement climatique que vous envoyez dans le décor. Donc c'est une question quand même assez compliquée. Alors on verra ce que seront les décisions. Moi, je me réjouis que les débats puissent mettre toutes les données sur la table. De toute façon, je ne dirai pas autre chose dans les débats que ce que je dis dans mes cours. Alors, Areva prépare aussi... L'après-nucléaire, quand même, on n'est jamais trop prudent. Vous êtes lancé dans l'éolien, vous allez d'ailleurs installer une usine pas très loin d'ici de façon à implanter un champ d'éoliennes offshore en mer. Qu'est-ce que ça représente pour une société comme Areva? Est-ce que c'est juste... une bonne conscience? Est-ce que c'est vraiment une voie d'avenir qui pourrait à terme remplacer l'activité nucléaire ou est-ce que c'est juste une diversification? Ah, je crois que c'est pas parce qu'on est leader dans le nucléaire qu'on ne croit pas à l'avenir des énergies renouvelables. D'abord, on a le droit de croire à deux choses dans la vie. Deux, l'éolien offshore, c'est une réalité d'ores et déjà. Parce que l'Allemagne ne pourra développer son éolien qu'avec de l'offshore, parce que l'Angleterre a une prévisibilité de ses besoins de ses vents sur les deux côtes ouest et est de l'Angleterre qui est telle qu'il y a le plus grand programme de développement de l'éolien offshore en Europe. Et la France a elle-même déjà fait des appels d'offres pour les compléter. Donc disons que 70 à 80 gigawatts d'éolien offshore peuvent être largement implantés dans les 15 ans qui viennent. Et si vous voulez absolument me ramener à l'étendard nucléaire, ça fait 50 EPR. Donc stop, that's it, on croit fondamentalement au développement de l'éolien offshore et on se structure pour ça. Deuxième chose, on croit au solaire. Alors il se trouve qu'on s'est positionné sur le solaire thermique de concentration, qui est intéressant pour les pays où il y a le plus d'exposition solaire. Disons les pays, les 10% de la planète qui ont le plus de soleil sur Terre. Alors lequel doit être aujourd'hui sans stockage, demain après stockage, et l'appel d'offres de l'Arabie Saoudite sur 10 réacteurs nucléaires, le dessalement de l'eau de mer et le central solaire est pour nous quelque chose de très important dans les années qui viennent. Alors, nous ne sommes pas pour l'instant spécialisés sur le solaire photovoltaïque parce que d'abord notre actionnaire nous le refusait, ensuite parce que nous n'en avions pas les moyens en recherche. Et Dieu sait ce que donnera l'avenir, si Areva sera spécialisée ou pas par le gouvernement. Je rappelle quand même que les décisions concernant Areva sont prises au conseil d'administration et que c'est l'État qui est majoritaire au conseil d'administration d'Areva. Areva, ce n'est pas une entreprise comme ça, déconnectée du système. Hein. C'est la fameuse filière nucléaire française. Oui, mais enfin, la filière nucléaire française qui est capable de parler d'éolien, de solaire, de machin. Bon, alors, dernier point, c'est le stockage. Sur lequel je crois que c'est très important qu'on fasse de la recherche pour déverrouiller la question du stockage. Il y a aujourd'hui les problèmes des batteries, qui sont de petite puissance, qui resteront de petite puissance, plus adaptées au stockage à l'énergie décentralisée, les stations de pompage de l'eau, et enfin, surtout, je dirais, la fabrication d'hydrogène par l'électricité quand elle est surabondante et qui va obliger les acteurs économiques à réfléchir un peu plus à la fois gaz et électricité de manière combinée. Car le seul stockage réellement massif de l'électricité, quand elle est surabondante, il ne peut être réellement fait, en tout cas en l'état actuel des technologies, que par la fabrication d'hydrogène qu'on mélange ensuite à du gaz. Et je prédis, sans être en termes de citoyen,
que l'Allemagne arrivera, dans les 5 années qui viennent, à dire que pour stocker de manière massive l'électricité, il faut recourir à la fabrication d'hydrogène qu'on mélange avec du gaz. Donc nous verrons si ces tendances technologiques sont bien confirmées dans les réalités, mais elles sont très importantes pour gérer l'équilibre des besoins énergétiques. Alors, il est temps de se quitter, malheureusement. On arrive un peu à la fin. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi un spécialiste de la philosophie et de la politique de l'esthétique, et notamment des jardins japonais. Alors, cette vision beaucoup plus zen de l'aventure humaine, en quoi ça vous inspire pour parler d'énergie et de développement durable? Qu'est-ce que ça vous apporte? Oh, je dirais que bon, j'ai beaucoup travaillé effectivement sur philosophie, esthétique et poésie. Il se trouve que dans mon passé, j'ai été directeur général d'Hermès, la boîte de luxe, et donc je suis certainement pas quelqu'un qui a le nucléaire comme seul horizon de sa vie. Je pense que ces problèmes sont à la frontière entre la technologie, les coûts, les performances, la géopolitique, la faisabilité, comme le disait tout à l'heure ce matin, l'implémentation et le fait d'être à la fois dans le monde de la culture et le monde de l'action, ben vous aide à essayer de relativiser les choses et en même temps d'avoir une vision, je l'espère, un peu globale des sujets. Alain Bucaille, merci.